Nous, c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pourrons chercher le poté le baou, Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas 25, nous avons des vidéos. Prêtez-nous Géo Axoré ou prêtez-nous chez moi, invitez 2-3 amis qui sont bien cagés sur le temps de l'année. Natal Goulet. Film Café. Film Café. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et ça dépend de l'heure où vous pouvez regarder la vidéo. Ça, pas oublier que vous êtes sur mon bar qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est mardi 10 mars 2020. C'est le deuxième gros bulletin information journée qui rentre la caillou comme d'habitude. Groupe Cap Dominé Actualité, c'est opération Cap fait dans la gala, son manifestation de un groupe policier qui baille tête, qui ont 509 fantômes qui dit que yo mouri, yo senti déjà. Yo pa gen anyen yo pè et yo lanse yon opération ferme boîte l'état, craser machine plaque officielle service l'état, gros armes nan menèg yo en pile nan yo figi yo kagoulé et gen de uniforme ki sou yo ki a fait actualité sur tout réseaux sociaux. Nou pral vini ak détail yo. Et bien jodi a la yo passé dans plusieurs bureaux l'état côté gen même ministre justice ki ta craser rak mes amis, bagay yo vraiment compliqué en Haïti. Nou pral vini ak détail yo nan sens sa gen Premier ministre Jouta qui te fait une convocation spéciale côté le convoqué yon CSPN spécial à ce là côté yo bay yon conférence pour la presse. Eh bien yo prend gros décision. Donc premier gros décision bon ti flash, c'est question acceptation de yon syndicat en mi-temps la police là. En tout cas on pral venir avec détail yo prend ti chaise ba parce que gen gros nouvelle qui tombé. Yon l'autre côté encore Haïti. Donc, question coronavirus, l'État haïtien fait pour gros bout de décision. Nous allons venir avec des détails, mais avant ça, quittez de montrer comment vous abonner avec la chaîne et qui ne vous pas jamais rater un lien. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandise Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là au fin abonné, voyagez à droite écran. Ou après yon petit cloche. Là fin pèse petit cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Bon chance pas camper n'a rentré dans gros point cap dominé actualité à Jean Tediouliya. Donc yon l'autre mouvement, autrefois c'était SPNH qui t'a manifesté côté de policiers t'es prend la rue à manifester pour des meilleures conditions vie. Et bien quand y a là bagaille après yon l'autre phase, c'est un groupe policier qui baille tête yon nom. Donc 509 fantôme qui prend la rue qu'on y a là dans yo opération yo baptisé et fermé boîte l'état côté au passé dans plusieurs biwo l'état côté y a pas mandé réintégration 5 policiers yo té révoqué yo parmi yo qui gagne Yannick Joseph. Et bien yo même policier protestataire ça yo qui accompagné de quelques membres dans population hein? Donc gros âme nan men yo gagne qui en uniforme gagne qui en civil figi kagoulé et gagne yon photo uniforme qui sou yo nan yo et k'ap fait actualité sur tout réseaux sociaux. En pile monde dit que ça son uniforme pepe, yon uniforme qui fabriqué, uniforme ça pas original. Donc li semble pas ta yon vrai policier et policier ça qui fait gros déclaration qui dit que gagne nan yo qui dit que yo mouri d'ailleurs le monde dit c'est fantôme. Nous konn ça vle dit nan phase bagay yo rive là en Haïti personne pas épargné. Et même donc ministre justice ça lui-même qui t'a semblé craser rak le fantôme yo débarqué dans ministère justice côté. Donc yo fait un pile de gars vite machine craser yo passé dans ministère planification, ministère affaires sociales, ministère justice ak sécurité. Donc côté yo te forcé tout employé rentrer la caillou vandaliser un pile bureau nèg yo craser plusieurs vite machine qui était sous la cour côté yo an. Donc, policier ça yo qui passe rendez-vous pour demain mercredi 11 mars là, et toujours dans Kafou aéroport, ça yo les journées jeudi à Kafou résistance pour yo capable continuer mobilisation à faire. Et donc, dans le moment où on a parlé là, en Haïti, personne n'a pas épargné. Donc, dans l'opération, ça a fait là. Donc, il y a une opération qui a cherché un premier ministre qui dit que c'est premier policier. La caméra a monté. Là, nous trouvons dans le ministère de la Justice.
Il y a beaucoup de gaz. Là, on a regardé les machines, ça a mal gueule croisé. Les policiers qui se tapent. Il dit qu'il faut gaz à bouler. Là, c'est une machine ministre. On va suivre. Ouais, comment vite la fête? Ouais, on va faire Benji à Bézé. Ouais, Benji à Bézé. Dimanche. Destiné. Oui, bon matin. On va voilà. On suit. Voilà. Là, c'est une machine service de l'État. Qui te l'as dit? On va suivre. Là, nous sommes capables de suivre. Il y a des agents du Boyd qui campent. Ils suivent comment ça a passé. Et ils campent et ils regardent. Ils sont de l'État. Ils nous suivent. Ils nous suivent. On va laisser entrer dans un bureau, dans le ministère là, pour nous regarder. Un bureau qui lui-même qui saccagé. Nous allons regarder comment ça va. Voilà. Vibration la caille. Nous présents dans le ministère de la justice. Non, on a les messieurs. C'est parce qu'elle a dit. C'est parce qu'elle a fait ma carte. Voilà. On a les messieurs. La personne. Nous suivons ensemble comment ça va. Chef service, c'est le ministère de la justice. Est-ce que la police est en train de se faire vivre au détail? Monsieur Nahé! Monsieur Nahé! Voilà, c'est toujours 509 fantômes qui ont même frappé. Nous toujours dans le ministère de la justice. Voilà. Eh bien, après tout les dégâts qui a fait là, yo, tout et ça qui a fait dans la phase que bataille policier yo arrivé là, alors policier syndiqué yo, eh bien, donc, PM Jude Joseph, il était convoqué yon CSPN spécial à soi-même côté, donc, yo révisé cahier yo, eh bien, dans ce sens ça, PM Jude Joseph lui fait gros déclaration donc côté yo révisé article qui t'a empêché policier yo uni yo pour former un syndicat donc officiellement yo reconnaître que policier yo gen droit former un syndicat et lui fait connait que yo pral faire une radiographie de 25 ans d'existence PNH là et il dit que et donc gayon arrêté cap sorti à soi là concernant que syndicat que yo reconnaître policier ou gen droit gagner qu'on y a là il dit que il parlait de préparation Haïti pour causer coronavirus là il parlait de trois arrestations qui étaient faites hier dans
un cadre manifestation qui t'a fait yo et li pas révélé identité si c'est policier ou pas parce que li dit que yo pas de gain kata identité et yo condamné tout zaka brigandage zaka terroriste qui a fait nan moment et manifestation qui nan la rue. On a invité au tande PM Jude Joseph pour plus de détails. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Effectivement, nous avons un CSPN spécial aujourd'hui hein, suite à événement malheureux qui passé yo, et nous prenons résolution ça yo. Un arrêté viendra amender l'article 11 qui interdisait aux fonctionnaires de police le droit de s'associer pour défendre leurs droits. Numéro 2, l'exécutif prendra un arrêté pour organiser le droit d'association ou de syndicat dans la fonction publique. Numéro 3. Le CSPN a demandé de revoir les dossiers des policiers révoqués. 4. Le CSPN décide de réaliser une radiographie exacte, c'est-à-dire un audit de la PNH vieille bientôt de 50 ans. Alors de 25 ans, pardon. De 25 ans. En juin, la police nationale aura 25 ans. Cet audit sera réalisé par des experts nationaux et internationaux en vue d'identifier les problèmes et apporter les solutions appropriées. Le CSPN déplore les actions jugées terroristes qui tentant à attaquer les fondements mêmes de notre République. Je rappelle que hier, le local de la résidence officielle du Premier ministre a été attaqué, pour ne pas parler du grand quartier général des Forces armées d'Haïti, ça fait quelques jours, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales ont été aussi attaqués aujourd'hui et des dégâts considérables sont enregistrés. 3 individus sont arrêtés. Ils vont être déférés à la justice pour les faits qui leur ont été reprochés. Je vous remercie. Merci, Malicio. La signalée télévision nationale en direct pour communication importante, ça qui fait jeudi, hein, c'est nous allons amender l'article 11 arrêté qui devrait gagner de 10 jusqu'à l'envergadure. Est-ce que ça veut dire officiellement nous reconnaître que la police a posé que c'est ça? Cet arrêté sortira ce soir. Nous reconnaître que la police là doit faire syndicat. Je difficile pour identifier parce que vous pas de pièce d'identité. Je non, l'État travaille déjà. Nous avons des postes de dépistage qui sont installés. Nous avons un hôtel qui pour l'État, qui dans tabac, que nous avons déjà pour recevoir des gens que nous avons mis en quarantaine. Et nous avons des gens tout, si ça y est, nous avons mis en quarantaine la caillou. Nous avons une disposition déjà que le ministère de la Santé publique déjà prend pour colmater brèche cap gagné et même répondre et correctement à coronavirus. Merci, c'est un plaisir. Merci. L'État haïtien a fait une décision pour empêcher que le coronavirus entre en Haïti. Écoutez,
Il y a un ministère intérieur à collectivité territoriale qui a informé l'île aérienne pour question avion qui a rentré transporter passagers et qui sorti dans le pays qui a coronavirus. Donc, zone rouge pour ne pas débarquer directement en Haïti. Notre demande pour compagnie éviter embarquer passagers qui sorti dans zone ça yo qui gagne gros risque contamination COVID-19 là tout autant yo pas passé et donc 14 jours dans zone sans risque pays ça yo c'est Allemagne et Chine Corée du Sud en France qui gagne en pile haïtien donc pour mon diaspora sorti en France pour l'entrée en Haïti là. Donc il n'est pas aussi facile comme ça pour venir directement en Haïti, gens ça t'est qu'on fait là, gagner Iran, gagner Italie. Donc l'ISA qui est capable d'augmenter en fonction des évolutions épidémiques, que c'est ça que ministère santé publique et population lui-même lui fait connait. Alors si on monte sorti dans un pays ça faut passer son côté pour au moins 14 jours. 14 jours c'est le temps pour capable détecter si moun ça li fait corona ou pas. C'est temps ça pour passer au moins au côté avant que au pile le territoire pays d'Haïti te papa desaline. États-Unis dans moment on a parlé là gain en pile cas de contamination en France passé à 1400 et quelques en Italie gagné environ 9000 monde qui contaminé bagaille vraiment compliqué avec question coronavirus qui a envahi le monde et la caille voisin en République dominicaine donc plusieurs cas de coronavirus et bien en Haïti la caille pas nous poko gen ça grâce à Dieu ça cap et vraiment bay population en problème non malgré stress que en pile moun est vraiment sous la nan la pérèse à cause de maladie ça que en pile haïtien peur pour pas arriver nan pays a et bien donc Haïti son question de manifestation c'est l'autre bagaille qu'a réglé tout pays a préparé pour corona nous même n'a fait face avec insécurité manifestation tribobabo crasé brisé qu'a fait en tout cas bagaille vraiment compliqué pour pays d'Haïti moi même m'a posé tête moi question le corona pas question de li pas rentrer parce que Jean li là tout pays je ne dis pas m'a posé tête moi question m'a dit le corona rentré en Haïti qui ça qui préparation qui fait j'en a regardé ba yo là nous wè pays qui préparé tant que États-Unis qui sont pays qui vraiment propre sont pays qui vraiment propre nous wè qui ravage corona fait voir pour nous même en Haïti et un pays qui presque tout non boîte fatra donc pour wè ba ça maladie ça arrivé la donne et corona pas même genre avec choléra ou t'a dit que c'est moun salope qui prend le pas gain ça la donne ou mettre tes poids pour mettre tes gens hier de pour pas prendre précaution depuis pas gain préparation qui fait donc et sortant d'ya nous mêler frères et sœurs mes amis bagaille vraiment compliqué pour Haïti rien pas aller bien dans pays a tout ça tout côté passé c'est problème gouvernement problème et population en problème tout côté dans problème dans moment on a parlé là personne pas en sécurité et nous on sent une guerre civile en Haïti par rapport avec ça qu'a fait en Haïti là on a regardé de mouvements qu'a fait et policiers qui prend la rue et pas de monde qui a dit que si c'est policier ou bien si pas policier les yo azam nan meyo pile cartouche nan meyo donc son bagay qui vraiment phénoménal ça qui a passé en Haïti là personne pas prendre pour un jouette. OK donc c'est vraiment bagay yo compliqué en tout cas parce que ces détails ça nous te porter pour vous dans bulletin information journée jeudi mardi 10 mars 2020 déjà m'a dit tout le monde bye bye rendez-vous à la prochaine pour une autre news.